Le cœur des formations pour aimer, c'est pour aider les gens vulnérables et âgés pour se situer sous les sites gouvernementaux, autant au Québec qu'au Canada. Une sorte de service d'orientation, si on veut, pour aider les personnes âgées. Oui, puis nous autres aussi, on s'appuie beaucoup sur les références des personnes. La personne peut être accompagnée d'une autre personne ou essayer de combler le besoin de la personne et elle peut être faite aussi par le centre de santé et les services sociaux, autant que les résidences privées, les personnes âgées, par les enfants. D'autres l'orientent. Si le besoin s'en ressent, ben, le bénévole peut l'accompagner vis-à-vis des services gouvernementaux, avoir un professionnel qui pourra le remplir, le prendre en charge. Le bénévole-là, moi, je dirais, ça peut être de zéro, peut-être 8 heures par semaine, dépendant. Nous autres, actuellement, on est deux en recrutement, mais on voudrait monter pour la prochaine année jusqu'à 8 bénévoles là, avec des forces de chacun. Fait que nous autres, on va travailler avec les forces de chaque personne. Puis j'ai tout le temps, mais essayer, c'est l'adopter. Fait que venez nous voir, puis on va vous expliquer de A à Z, c'est quoi le programme, puis c'est quoi, de qu'est-ce qu'on attend d'un bénévole.